Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Un petit tuto sur une extension qui est vraiment intéressante, une option et une extension qui est la partie clone. Les clones vont vous permettre de, par exemple, faire les mêmes modifications à partir d'une seule pièce. Nous verrons un exemple, par exemple, justement par rapport à une vidéo que j'ai faite précédemment sur créer votre luminaire où on a dû créer plein d'encoches séparément. Là, avec l'option, il y a vraiment l'extension Clone Circle qu'ils appellent comme ça. C'est une extension vraiment qui est mise sur le site d'Inkscape qui va vous permettre justement de répéter justement tous vos emboîtements très rapidement. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer déjà comment fonctionne le clone. En prenant une simple forme, je vais prendre un carré. On va faire un rectangle. Voilà. Voilà, j'ai une mesure. Je vais mettre des mesures qui vont être parlantes. Je vais mettre 30 et je vais mettre 10 ici. Voilà. Donc ça, ce serait par exemple ma première pièce et on pourrait dire que c'est ma pièce qui va servir de clone. Alors, pour faire cela, je sélectionne ma pièce, je vais dans Édition et là, vous voyez, vous avez une option qui est clonée et je peux créer un clone. Donc si je crée un clone, voilà, j'ai créé un clone, je glisse, voilà, je le glisse à côté et à la rigueur, je fais CTRL-C et je vais en faire plusieurs, comme ça vous allez voir tout de suite l'intérêt. Voilà, je prends l'option et alors ça, ceci, je sais que c'est ma pièce de référence. Mais donc si je veux par exemple modifier, je me dis par exemple il va faire 40 mm de haut. Et vous voyez que tout l'ensemble va bouger. Donc ça c'est vraiment une chose qui est intéressante. Alors je vais toujours vous conseiller toujours de garder votre clone sur le côté et éventuellement même tout ceci sur le côté aussi. Parce que si vous devez faire des modifications, ce sera plus simple de faire après un copier-coller et ensuite de tout délier. Ça je vais vous expliquer pourquoi il faut délier. Pour ensuite faire vos modifications. On va tout de suite partir sur, je vais repartir, je vais tout effacer, et je vais partir sur un exemple avant de passer sur la fameuse extension Clone Circle. On va faire un rectangle, et on va dire qu'on va faire des emboîtements, et on va dire qu'on va faire des emboîtements sur chaque côté. Donc, je vais faire un emboîtement avec des valeurs de, par exemple, 3,7 pour la largeur sur 1 cm. Pour la hauteur. Donc ça va être ma pièce de référence sur laquelle je vais dire je crée mon clone. Donc là j'ai créé mon clone, je peux maintenant le retirer et je vais faire CTRL C, CTRL V, je vais en faire 4 parce que je vais avoir celui-ci qui va être par rapport à ici, je vais aligner hein, comme ça on va aligner par rapport en haut, prendre celui-ci, celui-ci aligner par rapport en bas, celui-ci je vais d'abord le pivoter comme celui-ci. Comme ça, vous allez voir que tout va se modifier. Je vais prendre ma forme, je prends ici, je fais aligner sur l'axe, bien sûr, horizontal et par rapport au bord droit. Et je fais la même chose ici par rapport au bord gauche. Si je veux faire, alors c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de vérifier la chose. Je vais mettre ça sur le côté exprès. Voilà, je vais bouger un tout petit peu. Si maintenant je me dis, ben non, c'est pas 3,7 parce que je prends une planche, j'en imagine de 5, donc il faut faire 4,7. Je mets 4. Vous voyez que tout s'est agrandi. Par contre, petite chose qu'il va falloir refaire, c'est par rapport, faire mon centrage par rapport à mes pièces. Parce que si je ne fais pas ça, ben, vous voyez que tout s'est décalé. Donc si maintenant, là l'avantage, je n'ai besoin que de faire un centrage. Donc voilà, je fais mon centrage. Donc ici, voilà, donc ça permet de modifier. Le petit truc que je vais faire, c'est donc je vais revenir sur 3,7. Voilà, 3,7. Et je recommence. Vous voyez, je reprends mes formes, je recentre. Même chose, ici, je recentre. Voilà, sur l'autre axe. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ceci et le dupliquer ou CTRL-C, CTRL-V. Hein. Voilà. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Si ici, je veux faire mes embouts, donc qui retire la matière. Si je prends ici et que je prends cette forme-ci, je fais un contrôle moins comme on a déjà vu, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, ce sont des clones. On a le clone et ce sont donc on a le parent, on a les fils qui sont là. Ils sont tous liés. Comme ici, même chose, parce que ici, en fait, j'ai fait une copie, donc c'est comme si j'avais fait les fils des fils. Voilà. Donc à chaque fois, c'est parent-fils, parent-fils. Et donc ce que je dois faire, je dois d'abord, dans un premier temps, venir ici. Normalement, si je sélectionne tout, ça devrait être bon. Je vais dans Édition, dans Clone, j'ai délié le clone.
Donc si je fais délit le clone, maintenant je vais vérifier si je prends ça et ça, je fais CTRL moins. Voilà, vous voyez, là ça fonctionne maintenant. Par contre, la seule chose, donc je vais faire l'opération, je vais prendre mes pièces ici et je vais faire un petit CTRL K pour pouvoir, en sélectionnant ma pièce, sélectionner les petits, faire CTRL moins, comme ça il fait toute la forme. Pourquoi je vous dis de garder toujours la pièce ici avec les clones sur le côté? Parce que justement, si on revient sur la forme et on dit maintenant on veut du 1, on veut du 2 cm de longueur, bah, si je modifie ici 2 cm, il n'y a que ceux-là qui bougent. Ici, ça ne bouge plus puisqu'ils ont été justement déliés. Ils n'ont plus de parenté avec le clone. Donc, toujours garder, il vaut mieux repartir sur cette forme-ci, la recopier et faire ces opérations, plutôt que de commencer à refaire la pièce entièrement. Là, ça vous permet, vous voyez, là, il faut simplement les réaligner et c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est la partie clone. Je vais aussi faire... On va voir maintenant une autre option du clonage qui est ce qu'on appelle le pavage de clone, qui peut servir pour d'autres choses. Donc je vais vous montrer comment on fait le pavage, toujours avec l'option clone, où il faudra pas oublier de délier les fils entre guillemets. Donc je vais prendre ici un cercle. Après ça peut être n'importe quelle forme, on peut prendre une étoile, le pavage il va répéter. Je prends mon cercle, je vais aller dans édition, je vais aller sur cloner et je vais faire créer un pavage de clone. Alors ça s'affiche pas moi ici à l'écran, c'est pas visible, mais vous si c'est la première fois, vous allez voir ici une option apparaître qui va être ici créer un pavage de clone, qui est ici. Alors je vais ici, voilà, vous avez de la symétrie, vous avez de la translation. Je vais utiliser la translation, je vais mettre du 66,3, 33,3, ça provient d'un autre projet où j'ai dû faire comme une apparence de ruche, hein, vous voyez donc un peu la forme. Je vais en créer 10 par 10, je vais créer, et donc là vous voyez que j'ai vraiment, voilà, il m'a créé automatiquement mon pavage. Si je veux augmenter, alors vous voyez, je vais retirer ceci parce que ça correspond en fait à mon clone. Si maintenant je décide d'augmenter un peu le clone, alors c'est pas celui-ci, c'est l'autre, c'est ici. Si je diminue mon clone, tout se diminue. Donc il ne faut pas se tromper avec le clone, mais vous voyez que en retirant une pièce ou une autre. Alors ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas avoir ce genre de souci, c'est que vous pouvez créer un clone et après seulement faire votre pavage de clone. Mais à partir de là, vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire voilà, une forme, et vous voyez tout se modifier automatiquement. Donc c'est intéressant. Par contre, ne pas oublier à la fin de tout délier. Donc je viens ici, cloner, je fais délier les clones. Voilà, et à ce moment-là, je peux, si je fais ça, vous voyez que là il se relie ici parce que là c'était le clone qui est là, mais là ça veut dire que maintenant je peux faire n'importe quelle opération, ils sont tous indépendants de mon clone en fait. Voilà, mon clone est là, et là je suis vraiment tranquille, si voilà, vous voyez que celui-là il n'était pas délié, là c'est délié, donc ça n'agit plus. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer, je vais cacher ceci, j'ai plus besoin, je vais vous montrer la fameuse extension qui va vous permettre de faire le luminaire. Donc l'extension se trouve sur le site d'Inkscape quand vous allez dans Download Extension, et l'extension s'appelle Circle Clone. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur la flèche ici. Et donc le principe c'est vous allez mettre une pièce au milieu qui va vous servir de référence et lui va dupliquer cette pièce-ci tout le long d'un rayon. Alors je vais repartir sur par exemple un cercle comme la vidéo précédente sur un luminaire, où je vais prendre un rayon ici de 200 par exemple. Voilà, je vais mettre 200. Je vais faire une petite encoche. Alors, il va y avoir une petite subtilité, vous allez voir tout de suite. C'est que si je veux une encoche de 10 mm, alors je vais tout de suite mettre mon 3,7 pour la largeur. Et voilà, je me trompe encore, c'est 3,7. Voilà. On pourrait se dire, je vais faire du 10 mm. Mais il faut savoir que l'extension a besoin du rayon et il va mettre la pièce sur la moitié donc de ce rayon-là. Donc ça veut dire que si c'est sur la moitié, je vais devoir augmenter ici à 20 mm parce que vous allez voir mon encoche. Donc je vais prendre ma pièce, mon extension est installée, je vous mettrai le lien toujours dans la description de la vidéo. Dans extension, je vais dans rendu, circle clone, là on va mettre le nombre ici de trous pour les ailettes qu'on va faire par exemple pour notre luminaire, donc je vais mettre 20. Le rayon il est égal à 100 puisque j'ai 200, mais 200 c'est mon diamètre, donc
le rayon est à 100, on sélectionne l'unité, je fais appliquer. Donc là, j'ai le nombre qui est fait. Si je veux, par exemple, je reprends cette pièce-ci, voilà, comme ça, je vais pour vous dire qu'il faut toujours partir de la pièce qu'on utilise au départ qui va servir pour le clone. Je vais en refaire un à côté, rendu, clone, et je vais dire, par exemple, on va en mettre beaucoup moins, je vais en mettre 10, je fais appliquer. Donc vous voyez, tout de suite, ça c'est un gain de temps, plutôt que de faire du copier-coller, de commencer à pivoter, là on pivote pas, c'est lui qui calcule automatiquement. Alors le petit truc, comme je vous disais, c'est que j'ai fait du 20, alors, vous allez dire, oui mais 20 c'est beaucoup trop, puisque je veux 10. Alors, première chose, je sélectionne l'ensemble, comme pour toute opération avec des clones, je viens dans l'édition, les clones, je délie le clone, donc ça c'est la première chose. Ça veut dire que si ici je viens, vous voyez, comme ça c'était mon clone logiquement, si je mets 30 par exemple, et là il a bien tout agrandi, mais là non. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Ici je vais faire CTRL-K pour tout réunir en une fois, et je vais maintenant déjà centrer verticalement et horizontalement. Et vous voyez que là ma pièce s'est bien mise à moitié. Donc bien calculer cette petite partie-là, si vous faites 10, ben, il va faire la moitié, donc en fait vous n'aurez que 5. Je vais le faire, comme ça vous verrez tout de suite. Voilà, je vais prendre ça, je vais remettre le 20, les 200 ici. J'ai pas. Hop. Voilà, 200. Ici, je vais dire, je vais mettre 10. Voilà. Comme ça, je vais prendre, alors 10, mais je vais remettre quand même ma largeur à 3,7, parce que comme j'avais le cadenas, il a tout remodifié. Voilà. Donc là, je vais le déplacer. Et maintenant, je vais faire même chose. Je vais... Édition, je vais délier, voilà, délier le clone, voilà, CTRL K, comme ça, ils sont réunis, et maintenant je vais simplement les remettre, et vous voyez que, ah bah là, cette fois-ci, ça a fonctionné. Alors pourquoi je ne sais pas, parce que ça ne devait pas le faire. Je vais recommencer pour voir, on va recommencer, parce que c'est bizarre, parce que d'habitude il fait, donc, mais quelquefois il y a des petites réactions qui sont bizarres. Et je vais le refaire, comme ça, on ne cache rien dans la vidéo. 200, 200. Je prends ceci, je vais le dupliquer, on va voir si maintenant ça fonctionne. Donc vous voyez que quelquefois, il peut y avoir des petits bugs. Quand j'ai voulu enregistrer la vidéo, au départ, je l'ai testé, et j'ai remarqué qu'il y avait ce genre de bug, mais apparemment, voilà, donc là, je le fais, je délie. Voilà, cloner, je délie, je fais mon petit CTRL K, et maintenant je vais essayer de... Ah oui, donc là ça a fonctionné, là ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ben voilà, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce que j'ai bien mon rayon de 200, mon rayon... Donc vous voyez que les rayons sont identiques. Peut-être le fait d'avoir augmenté, diminué, ça a peut-être joué dessus. Donc si vous voyez que ça ne fonctionne pas, bah, vous voyez, il ne faut pas hésiter, tester. Hein, voilà, c'est, faut vraiment s'amuser avec le truc. Mais soit vous arrivez directement, soit bah, vous multipliez par deux. Il faut un peu jouer, un peu entre guillemets tricher. Hein, c'est, maintenant, ce que je vais faire un contrôle moins. Voilà, et là, j'ai directement, voilà, je fais mon contrôle moins partout. Ah, vous voyez, ah bah voilà. Voilà, donc là, là, on a le problème ici. Ça a fonctionné, mais il y a un petit truc. Ah, ça ne va pas. Alors que si je viens ici, je fais CTRL moins, là ça fonctionne. Donc, vous voyez, avec les erreurs, on peut avoir... Donc voilà, si vous avez ce genre de choses, on ne panique pas, on refait. Moi, c'est comme ça que j'ai vu qu'en faisant le double, bah, j'étais bon. Ici, vous voyez que là, bah, on n'est plus bon parce qu'on n'a pas les, les 10 mm. Mais voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Je trouve vraiment intéressant cette option. Je vais le refaire en vitesse, comme ça vous voyez vraiment... Voilà, hop, 200, 200, je fais mon petit carré, donc vous voyez, là c'est beaucoup trop, mais je vais mettre 3,7 et je vais mettre 10, 20, hein, comme j'avais dit, 20. En fait, le fait que ça chevauche, il va plus reconnaître les formes, alors que si c'est juste à la limite, c'est peut-être pour ça que dans l'exemple précédent, le rond du milieu a planté, parce qu'il avait peut-être pas assez de matière qui se mettait en commun. Donc ça, c'est vraiment possible. Donc je vais faire extension, rendu, circle clone. Je vais dire, je vais retourner sur 20 avec le rayon de 20, pas 200. Voilà, appliquer. Voilà, je prends ça, je le déplace. Ça peut toujours servir. Hop, je viens ici. Vous avez délié le clone ou mage
Alt D, Ctrl K pour réunir le tout. Je vais tout centrer l'un par rapport à l'autre. Vous voyez que là, en sachant ça directement, vous le faites et ça fonctionne directement. Je fais comme mon Ctrl moins et voilà, j'ai ma pièce qui est faite. Donc vous voyez, c'est vraiment une extension qui est intéressante parce que pour tout ce qui est cercle, vous voulez répéter un objet pour faire des cercles ou des trucs comme ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Simplement, le dernier point, quand vous venez sur Inkscape, dans Download, vous avez les extensions, et vous avez quelques pages d'extensions qui peuvent être intéressantes en fonction de votre projet, parce que c'est aussi ça qu'il faut voir. Vous voyez, si vous voulez faire du puzzle, ça peut être intéressant, vous pouvez mettre votre image. Là, avec l'option de la précédente vidéo sur les doubles traits, ça peut être intéressant, parce que comme ça, il va vraiment couper chaque puzzle séparément, sans repasser à chaque fois sur les tranches. Alors il y a des options que vous n'avez jamais utilisées parce qu'il y a des options qui sont plus pour du poster ou des trucs comme ça, mais il faut vraiment regarder, tester, vous installer, vous copier vos extensions, vous les tester, vous les valider. Si ça ne fonctionne pas, bah, vous supprimez les fichiers et vous n'en avez plus besoin. Et donc voilà, donc c'était vraiment ici la partie clone et avec l'extension aussi Circle Clone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là aussi pour ça. À bientôt, salut !